Les informations que je vais vous présenter m'ont été communiquées en deux temps. En 2016, par mon contact extraterrestre Zen, lors d'analyse et d'investigation des événements terrestres que j'ai faites en sa compagnie pendant plusieurs années. Et qui ressurgissent aujourd'hui sous d'autres formes, mais du point de vue extraterrestre, sur Terre et des élites organisatrices de ces événements. Donc, la première partie est en quelque sorte une introduction ou une présentation théorique de ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans un second temps et une seconde partie que je relierai à la transition actuelle en donnant un nouvel éclairage. Rembobinons un peu le film pour revenir en arrière en 1945-1946 et à l'opération Paperclip qui a été lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de nazis d'intérêt ont été déportés aux USA qui étaient tous des criminels de guerre. Dont la sentence a été allégée ou annulée s'il travaillait pour les USA, il y avait un scientifique qui s'appelait Werner von Braun. Voici une partie de son identité. Remarquez et retenez pour la suite qu'il est né en Prusse, dans l'Empire allemand, et qu'il y portait allégeance ainsi qu'au Reich allemand. Il était physicien, ingénieur en aéronautique, auteur de non-fiction, ingénieur, inventeur, architecte et militaire. Il est l'inventeur, avec son équipe, de la bombe V2, qui est un missile balistique développé par l'Allemagne nazie et lancé à plusieurs milliers d'exemplaires en 1944 et 1945 contre les populations civiles du Royaume-Uni et de Belgique. Il est arrivé aux USA en 1945 et 5 ans plus tard, en 1950, il fut placé à la tête de la NASA, comme vous le voyez sur cette photo. En Allemagne, à cette époque, les habitants utilisaient un carnet de santé et de vaccination
dont on voit ici un exemplaire datant de 1915. En France, ce carnet est devenu obligatoire en 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1935, les chiffres, le numéro inscrit sur le carnet de santé allemand est devenu la base de l'encodage et de la numérotation de l'actuel passe vaccinal numérique. Les scientifiques qui ont été déportés ont tous été placés ensuite à des postes clés, comme vous le voyez sur cette photo. Wernher von Braun à la tête de la NASA, Walter Einstein à la tête de l'Union européenne, Adolf Oesinger à la tête de l'OTAN et Kurt Waldheim à la tête de l'ONU. Donc, les nazis n'ont pas perdu. Ils ont simplement déménagé aux USA. Du Troisième Reich en Allemagne, ils ont continué à développer le Quatrième Reich aux USA et il est encore actif de nos jours. Revenons à Wernher von Braun. Parmi ses productions, il a écrit un livre intitulé « Projet Mars », récit technique, dans lequel il souligne à la page 177, je cite, « Le gouvernement martien était dirigé par 10 hommes dont le chef était élu au suffrage universel pour 5 ans et intitulé Elon. Deux chambres du Parlement ont promulgué les lois devant être administrées par l'Elon et son cabinet. Or, celui qui a repris le projet Mars, comme vous le savez, est Elon Musk. Son nom est bien Elon. Il n'a pas volé l'idée, pas du tout, car cette pulsion et cette envie d'Elon Musk de développer le programme Mars est son héritage légal, car Wernher von Braun est son père. La mère d'Elon Musk est Carol Rosine, qui avait été recrutée par von Braun comme assistante personnelle. Elle a rencontré von Braun en 1970 et a donné naissance à leur fils aîné, Elon, un an plus tard, le 28 juin 1971, à Pretoria, en Afrique du Sud, car von Braun s'est fait porter décédé en 1977 pour disparaître de la circulation. Et il a déménagé à Pretoria pour changer de visage en utilisant la chirurgie plastique. Il a changé son identité pour devenir Errol Musk.
Vous commencez donc à comprendre maintenant que tout ce qui arrive en ce moment sur Terre a été programmé par le Quatrième Reich depuis les USA et au travers d'organismes comme l'OTAN, l'ONU, l'UE et la NASA. En 1960, John Fitzgerald Kennedy, dont la politique est appelée « Nouvelle frontière », prévoit la détente envers l'URSS, l'envoi d'un homme sur la Lune, l'égalité des Noirs et des Blancs, la relance de l'économie, la lutte contre la pègre et l'arrêt de l'expansion communiste dans le monde. Vous le voyez ici sur la photo, félicité par le même Dwight Eisenhower qui avait rencontré les extraterrestres, celui-même qui a signé les traités avec eux et lancé la base Zone 51. Il bat Nixon. Et des rumeurs circulent par la suite sur le fait que son père, Joe Kennedy, aurait utilisé ses liens avec la mafia américaine pour que certains États importants votent bien. Il a donc des liens avec la mafia américaine et œuvre beaucoup pour le programme spatial Apollo. Il a donc aussi des liens avec la NASA et Wernher von Braun. Nous reviendrons dans quelques minutes sur les liens entre le Quatrième Reich, la mafia et les présidents des USA et d'autres gouvernements. Continuons notre cheminement. Cette photo est une photo officielle du président Reagan qui s'adresse à la nation le 23 mars 1983. Il annonce le lancement d'une initiative de défense stratégique que les médias ont appelée Star Wars. Remarquez au fond le drapeau américain à gauche et à droite, un drapeau noir. Sur l'écran, à gauche, c'est l'installation soviétique de missiles à longue portée de Cuba. Ronald Reagan est président des USA et Margaret Thatcher le premier ministre du Royaume-Uni. Tous deux sont extrêmement anti-communistes. Cette initiative va officialiser la course à la guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique. Reagan augmente le budget de la défense pour développer un réseau de protection missile anti-balistique, ainsi, écoutez bien, que des armes laser, des armes chimiques et l'envoi de satellites dans l'espace. Nous sommes en 1983. L'héritage que font passer les nazis ne date pas des années 1930-1945. Le Quatrième Reich a simplement continué de s'accroître à tous les niveaux. Espace, finance, politique, science, territoire.
mais il a commencé bien avant dans l'histoire terrestre et extraterrestre. En effet, un groupe hermétique de nationalistes prussiens, vous vous souvenez de Werner von Braun, il était aussi de Prusse, ce groupe appelé NIMSA et une société secrète appelée le Sonora Aero Club, reprenant l'idée populaire d'une civilisation séparatiste du XXe siècle. Au départ, ce groupe découvre les récits des Mahabharata. Dont je parle dans mon livre Artificiel sous l'indice numéro 10 intitulé Les témoignages terrestres ainsi qu'au chapitre 4 Les ères protolunaires et postlunaires qui racontent entre autres les différentes batailles qui ont eu lieu au fil des siècles comme celle décrivant des engins volants comme à Nuremberg en 1561, et les Vimana du Mahabharata, ou Grande Guerre des Bharata, datant des derniers siècles avant Jésus-Christ. Donc, le groupe NIMSA réalise qu'ils ont découvert des civilisations perdues et des technologies secrètes avancées qui appartenaient au passé. Pour retracer pleinement l'histoire de ces technologies anciennes, il faut remonter à l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, histoire abordée également au dernier chapitre de mon livre Artificiel. Ce groupe NIMSA, qui évoluait vers les années 1850, théorise donc avec justesse qu'il y a eu une guerre entre deux factions extraterrestres qui se sont installées sur Terre et se confrontaient, et c'était donc Atlantis et Mu. Et il pense, très justement, que extraterrestres habitant la planète transmettent, écoutez bien, lentement leur connaissance de ces technologies avancées aux sociétés secrètes, alchimistes et hermétiques. Et ces extraterrestres avaient pour objectif final que nous développions une culture si avancée que nous puissions un jour nous battre en leur nom contre leur ennemi intergalactique. Donc NIMSA, après avoir retracé la saga depuis Alexandrie, comprennent que les Templiers, la franc-maçonnerie, les grandes et illustres familles royales, en passant par les nationalistes prussiens et les chevaliers teutoniques, ce groupe crée alors la société secrète allemande, donc NIMSA, dont le siège était le Sonora Aero Club, et ils commencent à discuter de la mécanique et des sciences qui font voler les vaisseaux décrits dans le Mahabharata. À partir de la conception de cloches tournantes, ils s'intéressent au courant tellurique terrestre. Et ils affirment avec justesse, encore une fois,
que ces vaisseaux utilisent non seulement ces courants comme une piste, mais que cette grille mondiale fait partie intégrante du fonctionnement réel de cette technologie. Ceci se passait, je le rappelle, en 1850-1890. Ils soutiennent également qu'une partie de la Terre est biologiquement conçue pour produire de l'or et qu'elle a le potentiel d'agir comme une biomachine manipulable de manière massive. Les Allemands ont commencé à s'installer aux USA dès l'époque de la guerre de sécession, pas seulement après la Seconde Guerre mondiale. Certains, comme Werner von Braun, étaient originaires de Prusse. Le groupe NIMSA se présente alors comme une civilisation dissidente et présente ses travaux au public et au gouvernement, ainsi que la création de machines volantes qu'ils appellent des aérons. Bien qu'il n'y ait eu aucun retour officiel de la part du gouvernement, les membres du groupe sont certains que le gouvernement a saisi l'importance de leurs travaux et la puissance de ces technologies. Il semblerait donc que le NIMSA constitue non seulement les prémices de tous les projets secrets développé par la suite aux USA, mais également le développement du Quatrième Reich à venir, ainsi que la constitution d'une civilisation dissidente qui se serait installée sur la Lune, sur Mars et sur Vénus. Mes propres contacts extraterrestres m'ont dit qu'il y avait trois grosses colonies sur Mars. Un groupe dissidents nazis qui s'y serait installé, une colonie reptilienne draconienne et une colonie de mantes géantes, celle dont parle Simon Parks que nous avons vu un peu plus tôt. Sur Terre, les extraterrestres de l'Atlantis et de la Lémurie qui s'y étaient installés ont continué à se développer tout autant que leurs descendants. Des vestiges de leur civilisation émaillent l'histoire et les constructions partout autour du globe, à commencer par les grandes pyramides d'Égypte. Ils se sont installés en Pangéa, qui se serait divisé en continents dû à la tectonique des plaques, et les civilisations d'Atlantis et de Mu, qui s'y étaient développées, gagnèrent les hautes terres et les montagnes après le déluge. L'eau du déluge venait de la planète Tiamat qui s'est désintégrée
à la suite de l'onde de choc de guerre qui ont eu lieu sur Mars. Mais vous pouvez retrouver cette histoire ancienne dans mon livre Artificiel. Et c'est ici où nous allons rejoindre les civilisations plus récentes et modernes, et notamment les descendants des Atlantes et d'Atlantis. Depuis des milliers d'années, la mémoire et la vie de personnages emblématiques qui ont marqué l'histoire terrestre ont été préservés au cœur des registres génétiques, et leur histoire imprime encore de nos jours, de manière très active et influente, les structures, les pratiques et les croyances de groupes discrets ou secrets. De Sumer en Mésopotamie à l'Égypte ancienne, des personnages principaux ont transité à travers les siècles: Isis ou Ishtar, et Osiris, Horus et Seth. Le passé génétique de ces peuples anciens a été transmis par leurs descendants, 13 familles royales et nobles qui en ont préservé la mémoire. Ils ont créé le Vatican, les francs-maçons, la fraternité, l'Opus Dei, ainsi que les ordres maçonniques comme l'ordre des Templiers, l'ordre des Chevaliers de Malte, l'ordre des Rosicruciens et l'ordre ou le mouvement sioniste qui fut créé sous le contrôle des Jésuites. La reine d'Angleterre et le prince Charles sont subordonnés à la lignée papale, la famille Breakspear de Londres, au siège de la maison mère jésuite au 114 Mount Street. Tous contrôlés par l'ordre des jésuites, leurs chevaliers de Malte et les chevaliers teutoniques basés à Borgo Santo Spirito à Rome, protégés par des missiles. Certaines familles royales sont d'anciennes lignées saturnales du XIIIe siècle, reliées au temple de Saturne et le temple de Salomon. Pourquoi le sont-elles? Eh bien, comme rappelé dans mon livre Artificiel au chapitre 4 qui relate les guerres interstellaires et les ères protolunaires et postlunaires, les ondes de choc créèrent un déplacement des énergies sur la planète Tiamat qui se déchira et se désintégra. La partie solide devint la ceinture principale d'astéroïdes, essentiellement composée de glace et de morceaux de planètes, et la partie liquide ainsi que des liquides ferrugineux et visqueux tombèrent sur les planètes avoisinantes, comme la Terre qui fut inondée par des quantités d'eau inimaginables, jamais jusqu'alors envisagé ni enregistré. Ces épisodes furent appelés le déluge dans les textes anciens.
Les deux planètes qui étaient plus proches de la Terre et facilement visibles se sont éloignées. Saturne était appelée Soleil noir parce qu'elle possède des portails naturels qui étaient utilisés par certaines races interstellaires. Des religions ou des groupes occultes font référence à Saturne comme d'un cube noir en raison des fréquences de la planète. Elle a une géométrie particulière qui totalise le nombre 666 et un cube a également 6 côtés, d'où l'association symbolique avec un cube noir. Le soleil noir est devenu le symbole du mysticisme nazi, composé de 3 croix gammées étroitement entrelacées, soit 12 fois le caractère Sowilo de l'alphabet runique, qui désigne Sol, la personnification du soleil, dans la mythologie nordique. Sowilo est la 16e rune du Futhark. Elle est nommée Saison en anglo-saxon et Sol en vieux norrois. Elle désigne la personnification du soleil, Sol. Les extraterrestres appellent notre système solaire Sol 13, qui fait référence à Sol, le soleil, et 13 planètes. Parmi ces lignées royales, l'un des noms les plus importants des grandes familles royales étaient les Bourbons et la maison Farnèse qui a créé la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Or, comme vous le remarquez sur le logo, IHS sont les initiales de Isis, Horus et Seth. Le soleil noir symbolise Saturne en tant que portail interstellaire qui permettait de naviguer de la Terre en empruntant Saturne pour se diriger vers d'autres planètes et d'autres zones de la galaxie. La famille Farnèse a fait construire une forteresse pentagonale appelée le palais Farnèse de Caprarola, près de Rome en Italie. Ce type de construction est la base structurelle du pentagone américain et celle de l'hexagone polaire de Saturne. Le chef des Jésuites est appelé le supérieur général parce que les Jésuites sont un ordre militaire. Et le premier général jésuite fut Ignace de Loyola, qui était lié aux Alumbrados d'Espagne. Il était du Pays basque espagnol. Il créa le premier ordre jésuite en faisant revivre les Templiers et les appellera la Compagnie de Jésus. Le mot espagnol Alumbrados signifie Illuminati et ils existaient plus de 2 siècles avant que
Adam Weishaupt fonde le cercle des perfectibilistes, les Illuminati bavarois, le 1er mai 1776, un groupe qui précipitera la Révolution française et la chute de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Qui en dit dans mon livre Marie-Antoinette au chapitre 5 heures, je comptais sur un sursaut, une réalisation, un volte-face audacieux, car ce que ce monde exigeait de nous en ces temps de bouleversement, ce n'était pas du courage, non. Mais de l'audace, car il faut de l'audace pour être soi-même et créer. Je n'en manquais pas. J'étais restée sur mes positions et déclarais ouvertement mon parti pris pour un régime qu'il voulait éradiquer et que j'avais tenté de maintenir à tout prix parce que je ne voyais autour de moi que haine et violence. Je pense qu'ils ont tous été trompés, non seulement le peuple, mais les intellectuels et les révolutionnaires aussi. J'avais du ressentiment pour ces derniers parce que ce sont eux qui avaient mené le peuple à sa perte et moi à la mienne. C'étaient des fanatiques, persuadés que leur idéologie allait changer la société et transformer le monde. Et voyez où nous en sommes aujourd'hui. Le prince Carlo de Bourbon des deux Siciles contrôle la Mecque. La Mecque est le cube de Saturne et le gouverneur de la Mecque, Khalid bin Faisal al-Saoud, est chevalier de l'ordre de François Ier sous la maison de Bourbon des deux Siciles. Aujourd'hui, le roi Bourbon d'Espagne détient le titre officiel de roi de Jérusalem ainsi que la plupart des titres monarchiques d'Italie. La famille Farnèse régnait sur Parme et Castro en Italie. Et aujourd'hui, les princes de Bourbon-Parme et de Bourbon de Sicile ont secrètement autorité sur le Pentagone américain et l'armée américaine grâce à leur intelligence jésuite.
Il gère aussi et contrôle la cité de Londres, la cité du Vatican et Washington DC, trois États complètement indépendants, des nations au cœur desquelles il se situe. Il gère et contrôle les Nations Unies, l'OTAN, la Commission européenne, le Conseil des relations étrangères, diverses banques centrales, les grandes entreprises, les services secrets. La famille Massimo Osorio, dont l'un des ancêtres était Fabius Maximus du 3e siècle avant Jésus-Christ, au 16e siècle, c'était déjà la famille la plus riche et la plus influente de tout Venise. Cette famille est dirigée par le prince Massimo Osorio, qui est aussi le chef de l'ordre de Malte. Or, le prince Massimo est aussi le chef de la Cosa Nostra, la mafia. À New York, il y a cinq grandes familles mafieuses et absolument toutes doivent rendre hommage au prince Massimo. Voici par exemple des photos de Barack Obama qui a été désigné comme l'incarnation du mal, en compagnie du grand chef cuisinier Massimo Bottura, qui le reçoit à la Maison Blanche en compagnie de sa famille en 2015. Par ailleurs, Donald Trump, qui a été présenté comme le grand sauveur et l'incarnation de la justice, possède de très nombreux immeubles, dont des casinos. Celui d'Atlantic City, dans le New Jersey, a fait faillite, a été démoli. Mais pour avoir un casino et les droits pour le faire tourner, il faut appartenir à la mafia. Et Donald Trump appartenait aux cinq grandes familles mafieuses. Voici une photo de Donald Trump et Roy Cohn, qui est rapidement devenu le mentor de Trump, le conseillant sur tous les aspects de ses affaires, criminelles et personnelles. Comme les familles mafieuses sont soumises au prince Massimo, Barack Obama et Donald Trump ont tout simplement été choisis dans les coulisses par la famille Massimo. Il y a également trois papes issus de ces familles. Pas un seul, le pape gris, le pape noir et le pape blanc. Le pape gris, de la famille Orsini, Maximus Orso, est la hiérarchie de l'ombre zoroastrienne de l'ordre des Jésuites. Il est prétendument
au-dessus des Rothschild et des Rockefeller, mais dans la lignée et de stature égale aux Breakspear, Aldobrandini et autres lignées papales. Si Pepe Orsini est le pape gris, alors on croit qu'il travaille avec son pape noir dans leur compagnie de Jésus. Le pape noir est un général jésuite appelé pape noir parce qu'il s'habille toujours en noir. Il est le supérieur général des jésuites. C'est un militaire. Il s'appelle Arturo Sosa Abascal, vénézuélien. Il sert et travaille avec la lignée papale Orsini, Breakspear, Aldobrandini, Farnese, Somalgia. Le pape noir sert de protectorat des écoles de mystère. Il est 6 rangs au-dessus du pape blanc, le pape François, qui lui doit hommage, et il est le premier à être informé quand un nouveau pape blanc a été nommé. Il est l'homme le plus puissant de la terre, qui règne sur les lois et les affaires maritimes. Il contrôle le système bancaire, la franc-maçonnerie et les services secrets. CIA, FBI, NSA, SIS, M16, Scotland Yard, Mossad, CSIS, FSB et la DGSE française. Le pape blanc et le pape François, Jorge Mario Bergoglio, argentin, c'est le premier pape jésuite qui est issu directement de la Compagnie de Jésus. Le Vatican possède 60% de toutes les terres d'Israël et la terre du Mont du Temple pour leur troisième temple de Salomon, où ils veulent leur trône. Il fait partie de l'Arcana Arcanorum, contrôlé par les familles royales, dont je viens de vous parler, qui est le point de contrôle principal. Les éléments sont donc posés pour que vous compreniez maintenant la suite et la manière dont tout ceci est relié. Point 1. En résumé, depuis des décennies et pendant notre époque moderne, des traités qui ont été signés
avec des extraterrestres, le président Eisenhower et le collectif d'Orion, ainsi que les émeritaires au départ. Voit apparaître quelques années après Wernher von Braun et les scientifiques issus de l'Allemagne nazie qui arrivent aux USA et travaillent sur les armes nucléaires, de nouveaux systèmes de propulsion et des technologies de contrôle des populations. Ces expérimentations, qu'ils avaient déjà commencées dans les laboratoires des camps de concentration, seront poursuivies en secret pendant la guerre froide. Ces expérimentations s'appelaient le programme MK Ultra. La base expérimentale a été construite à la frontière entre les USA et le Canada pour éviter les poursuites. Elle était souterraine, bien entendu. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette partie du Canada, le Canada en général, a eu beaucoup d'UFO et de personnes ayant des pouvoirs spéciaux. De nombreuses expériences secrètes ont été menées dans les camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale, et deux juifs en particulier ont démontré des pouvoirs surnaturels. Comme tous les prisonniers, ils avaient un numéro tatoué. Le leur était les numéros 0008 et 0011. Et l'un des deux s'appelait Magneto, celui que l'on voit dans les films des X-Men. Au point 2, le 4e Reich continue de se développer aux USA et commence à s'étendre à d'autres pays. Tous les départements financiers, militaires et religieux des USA et d'autres pays sont complètement infiltrés et contrôlés. Et ceci fut vrai entre 1945 au moins et la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la veille de l'élection du président Donald Trump. Tous les programmes que l'on voit mentionnés dans ce graphique, à droite, et dans la partie supérieure, au point 3, sont développés en secret sur des personnes abductées par des militaires et des extraterrestres, puis amenées dans des bases souterraines. Et au fil du développement des technologies et des années, elles vont être testées sur des groupes d'individus sélectionnés que l'on appellera des targeted individuals, des personnes ou des groupes cibles, ou sur des quartiers entiers de certaines villes, et enfin sur des pays ou sur plusieurs pays à la fois.
le contrôle de toute la société terrestre par de grandes familles nobles et royales au niveau financier, militaire et religieux se déroule dans le plus grand secret, sauf pour les initiés, et l'annonce de l'implémentation d'un nouvel ordre mondial est alors publiquement annoncée. C'est le 11 septembre 1990 que George Bush déclare officiellement et publiquement la mise en place d'un nouvel ordre mondial alors qu'il s'adressait au Congrès et au monde. Et qu'il avait déclenché un mois plus tôt l'opération Bouclier du désert contre Saddam Hussein et qui sera rejoint par une coalition internationale sous l'égide de l'ONU. Opération et guerre totalement contrôlée. Donc pour le public, le nouvel ordre mondial a été annoncé il y a déjà maintenant plus de 32 ans. Il était accompagné de l'agenda 2021. Trois décennies pendant lesquelles le public, complètement anesthésié, ne réalise pas qu'il est en train d'être mis en place et continue comme si de rien n'était. Les drogues, les jeux vidéo, les fêtes, les réseaux sociaux, les guerres, les gilets jaunes, les révoltes raciales, la violence, et j'en passe. Point 5. Jusqu'à ce que nous arrivions à Hillary Clinton qui a été éjectée, c'était déjà le signe que quelque chose était en train de changer. Puis Donald Trump prend la direction des USA. Mais un coup de théâtre va se produire. Vous vous souvenez que je vous avais dit que mon tout premier contact avant celui avec Zen était un membre d'une famille royale qui m'avait dit que, de son côté, les familles en avaient assez de tout ce qui se produisait. Donc Trump a été sorti et remplacé par Biden. Il travaille pour eux dorénavant. Il n'avait pas le choix. Nous arrivons alors en 2021, et c'est à ce moment-là que Klaus Schwab publie son ouvrage « The Great Reset », « La grande réinitialisation ». En point 6, et c'est alors qu'une seconde version du nouvel ordre mondial est mise en place avec son propre agenda, qui est l'agenda 2030. La version 2.0 du nouvel ordre mondial et son agenda 2030 sont déjà implémentés à 65% sur toute la planète, dans tous les pays du monde, quels qu'ils soient. Avec des présidents qui ont été choisis spécifiquement pour cette mission. En voici quelques-uns, mais il y en a d'autres, et il y a à ce jour des millions de participants très actifs et surtout beaucoup de jeunes. Les questions que l'on pourrait se poser à ce point sont: puisque le Quatrième Reich est en train d'être démantelé,
et qu'en même temps, le capitalisme est en train d'être remplacé par le socialisme et que les dynamiques ont changé avec davantage d'accessibilité pour le public. Qui contrôle dorénavant le nouvel ordre mondial version 2.0 et est-ce en faveur ou contre l'humanité terrestre et les peuples? Les prochains documentaires didactiques seront construits de la même manière que celui-ci, avec une première partie destinée au public et qui sera gratuite, et la seconde réservée aux sponsors des niveaux 2, 3 et 4. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.